Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc accompagné de la bête, donc la bêta. Normalement l'autre fois je vous ai dit que j'aurais une vidéo de KTM là. Donc je l'ai pas fait. Du coup j'en ai fait un peu de la KTM là. Et franchement elle marche. Donc là on est avec la 50. On va faire un petit tour là-bas. Désolé, j'ai presque plus de batterie à la GoPro. Donc on va y aller tout de suite. Allez hop. J'espère que ça va pas couper. Ou pas, je regarde. Ah ben batterie vide, ok, batterie vide, ok, donc j'espère que ça va pas couper. Donc on va monter là haut on va faire une petite balade. Donc il y a presque plus de batterie. Peut-être tout à l'heure j'ai trouvé une femme, vous avez vu plus bas là bas j'ai failli glisser, il y avait du verglas par terre. Donc allez, c'est parti, et après on coupe la vidéo. Donc c'est une petite vidéo à l'arrache pour vous expliquer, parce que normalement je devais faire une vidéo KTM, je dois changer des segments, le piston, faire la vidange, donc c'est cuit, j'en fais pas, donc j'en ai fait tout à l'heure vite fait comme ça. Donc là on va repartir. Donc ça rame, hein, vous avez vu, c'est une 50 qui est bridée, j'ai mis ce pot Yasuni, donc c'est pas terrible. Yeah.
une petite vidéo comme ça. Est-ce que ça a coupé? 7 minutes, ok. Bon, on va s'arrêter là. Donc les gars, c'était une petite balade comme ça, tranquille. Parce que, comme je vous ai dit, je le répète, mais... Donc la KTM, et... je dois faire le piston, le... les